Our next speaker is mayor of the city of in Corsica, Jean-Marc Rodriguez, please. Mesdames messieurs, bonjour. Nous tenons tout d'abord à remercier pour leur invitation monsieur le directeur et les organisateurs du groupe d'initiative de Bakou et le bureau de coordination du mouvement des pays non alignés dont nous hôtes assurent actuellement la présidence. Nous remercions également l'ensemble des participants et tout particulièrement nos frères de lutte sous domination de l'État colonial français qui ont permis notre présence ici. Nous n'avons pu assister aux deux précédentes réunions, mais destinataires des comptes rendus de celles-ci, nous avons pu apprécier la teneur des débats et aurions pu souscrire et signer chacune des déclarations finales dans la direction de l'élimination totale du colonialisme et également décolonisation, révolution tranquille. Comment caractériser notre présence aujourd'hui parmi vous Je me permettrai de vous faire un court résumé de notre histoire. Résistance. Résistance est le premier mot qui me vient à l'esprit pour vous décrire notre nation. En effet, la Corse, île de la Méditerranée, a de tout temps été convoitée et a connu par vagues successives de nombreux envahisseurs. Je n'en ferai pas ici la liste exhaustive qui pourrait paraître rébarbative, je me contenterai donc aux deux derniers occupants. Tout d'abord la République de Gênes qui pendant 500 ans a essayé de mettre sous son joug la population autochtone de l'île sans y parvenir, car se heurtant à une résistance de tous les jours, notamment à l'intérieur des terres, elle dut se contenter d'installer des comptoirs sur les littoraux avant de reculer devant la volonté du peuple corse. En 1735, après la victoire de ses troupes, le général Paoli, Pascal Paoli, et la consulte d'Orezza déclarent l'indépendance de la Corse et se dotent d'un hymne et d'un projet de constitution. En 1755, la République est proclamée, forte de sa constitution qui est une première dans l'histoire moderne et qui servira de modèle dans de nombreux pays. En 1768. Une double forfaiture mettra fin à cette indépendance. Le 15 mai de cette année, à l'initiative du ministre Choiseul, le roi de France, Louis XV, achète la Corse à la République de Gênes, trop heureuse de se débarrasser de ce peuple insoumis. Vous avez bien entendu, acheter. Qui est le plus méprisable Celui qui a vendu ou celui qui a acheté En 1769, le roi de France constate que les Corses ne se soumettent pas. Et décide de conquérir l'île par les armes. Après la victoire des troupes corses, pourtant en infériorité numérique à Borgo, la France engage des milliers de soldats dans la conquête et la bataille de Pontenove sonnera le glas de la République de Corse. La population résiste encore et toujours, et au fait de guerre s'ajoutent des exactions de plus en plus nombreuses de la part des Français qui veulent réduire à néant toute forme de résistance ou de rébellion. Les pendus du Nior, dont des enfants, les familles de Kazinka ou du Fiumorbo, fusillées ou déportées dans les bagnes. À ces massacres, à cette terreur, succède la normalisation, interdiction de parler corse, de perpétuer les pratiques locales, l'obligation de se conformer à toutes les lois françaises et surtout aux lois spécifiques concernant le territoire insulaire. Comme les iniques lois douanières détaxant tout produit venant de France et taxant lourdement les productions de l'île. Enfin, l'absence totale de développement, notamment industriel. Voici le quotidien des Corses pendant plus de deux siècles, avant de devenir, comme toutes les populations sous domination coloniale française, la chair à canon des guerres mondiales. Celle de 14-18 aura gravé dans le sang et sur le marbre des monuments aux morts de chaque village. La liste de ceux qui laissèrent sans bras les campagnes dans leur pays, la Corse, celle de 3945, montra le courage et l'abnégation de la Corse pour libérer sa terre. Elle résista et se libéra d'elle-même avec la participation de courageux goumiers marocains en septembre 1943. Ce fait a été ignoré par la France pendant plus de 60 ans. Les manuels scolaires désigner la Normandie en tant que telle. Mais la résistance était toujours là. Les années 60 allaient le prouver. La réaction au projet funeste des essais nucléaires à l'Argentelle, au bout rouge déversé dans la Méditerranée par la société italienne Montedison, en sont la preuve. Les problèmes ont été malheureusement réglés par la violence. Ce sont les prémices du réacquist, dont la traduction française la plus proche serait la réappropriation. Réappropriation de la langue, de la culture, avec ses champs traditionnels, et de la terre, cette terre qui va encore connaître des drames avec les affaires d'Aleria et de Bastéglika Fèche. Cette dernière avait vu des militants nationalistes arrêter des barbouzes de l'officine d'État appelée Francia, qui projetaient l'assassinat de Patriotes Corses. La réaction hors de propos et disproportionnée des forces d'occupation Provoqua la mort de civils étrangers à l'affaire. Entre-temps, en 1976, le Front de Libération Nationale de la Corse avait vu le jour. Le cycle, action, répression, allait malheureusement endeuiller la Corse et les militants de la résistance allaient payer le prix fort en nombre de morts et en années de prison qui jetèrent trop de familles dans le désarroi. À chaque poussée de résistance, l'État français faisait semblant de céder du terrain en accordant des statuts particuliers et les mouvements nationaux ont réussi à obtenir la réouverture de l'université de Corté ou encore la création de l'assemblée de Corse. Cependant, l'essentiel n'était pas acquis. Je parle ici de la liberté au travers de la décolonisation. Aujourd'hui, la situation n'a guère évolué. La France nous a toujours étorqué. Qu'elle prendrait en considération nos revendications lorsque nous jouerons le jeu de la démocratie et que nous respecterions le résultat des urnes. Conscient de l'enjeu, le FLNC a déposé les armes en juin 2014. En 2015 puis en 2017, une coalition, une coalition nationaliste a majoritairement pris le pouvoir à l'Assemblée de Corse. Sans aucun effet. La première visite du président des Français. Accompagnée parce que la France compte de plus jacobins, s'est faite dans le mépris total, Ignora, ignorance du peuple corse, dédain de son drapeau et affront à ses allus lors d'une fouille au corps à laquelle le président de l'Assemblée refusa de se soumettre. Un événement tragique allait quelque peu précipiter les choses. L'assassinat d'un prisonnier politique à l'intérieur même de sa prison allait mettre le feu aux poudres. La jeunesse corse se mobilisait. Et créer des incidents avec les forces de répression sur tout le territoire. Les manifestations faisant rage dans chaque ville de Corse allaient faire réagir le gouvernement français et le ministre de l'Intérieur ouvrait précipitamment les discussions pour démarrer un processus dit historique, amenant à terme l'autonomie. 18 mois après, il s'avère que cette autonomie n'a rien d'historique. Et ne serait qu'un énième statut particulier. Rien sur la reconnaissance du peuple corse, rien sur la co-officialité de la langue, rien sur le statut fiscal et social, et toujours pas de centre hospitalier et universitaire de prévu. Le statu quo le plus total. Nous n'avons plus rien à attendre de cet état colonial ultra-jacobin. La résistance continue. Voilà un résumé bien succinct de l'histoire chaotique de la Corse. Mais voilà des éléments probants qui nous permettent aujourd'hui d'être présents parmi vous afin d'internationaliser nos luttes pour l'indépendance, de réclamer notre statut de peuple autochtone. Nous souhaitons avec vous, dans l'Union, faire valoir nos droits et militer pour être inscrits sur la liste des pays à décoloniser. Nous avons une terre, nous avons une langue, nous avons un hymne. Nous avons un drapeau et nous ne serions pas un peuple. À Corsica, on n'est un département français et une nation qui à La Corse n'est pas un département français, c'est une nation qui va renaître. A la fatu il faut Je vous remercie. Oui, euh, bonsoir. D'abord, je tiens également à vous remercier pour cet accueil et, et la possibilité de nous donner de participer à ce débat fondamental. Merci donc à l'Azerbaïdjan et euh, au groupe d'initiative de Bac. L'essentiel a été dit par mon collègue avec éloquence et émotion en ce qui concerne notre présence ici en tant que Corse. On peut être surpris. La Corse, ce que je peux vous garantir, en tout cas, c'est que nous aussi, nos ancêtres, ne sont pas les Gaulois. Ça, c'est une certitude. Ils n'ont jamais mis pied en Corse qu'il y a deux siècles, et on sait dans quelles conditions. Je voudrais apporter mon soutien à ce qu'a dit Madame tout à l'heure, par rapport à, à la nécessité de récupérer le discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui a reconnu publiquement le crime qu'est le colonialisme pour les peuples peuples qui ne sont pas reconnus dans leur existence et dans leurs droits nationaux. C'est une preuve de culpabilité. Et moi, je pense qu'on euh, pourrait relever cette notion-là en demandant des comptes. En demandant des comptes. Qu'est-ce qu'il en est de cette responsabilité que vous assumez publiquement au niveau international d'avoir commis des crimes contre l'humanité Crimes physiques, Temporel, mais crimes aussi intellectuels, culturels, de nier des langues, des cultures, des valeurs morales. On l'a vu avec les Kanaks quand ils viennent ici, ils montrent leur solidarité, leur respect de, des anciens en permanence. On, il faut arrêter, il faut qu'on garde ce qui fait la richesse de nos peuples. Aujourd'hui, il est plus sournois que d'habitude parce que quand on baisse un peu la garde, que fait le colonialisme? Il de manière insinue comme ça il fait venir des populations envahir les locaux et faire disparaître petit à petit les populations locales c'est une véritable ce qui se passe en corse actuellement en corse actuellement depuis que le FNC en 2014 a décidé de tendre la main d'arrêter le combat militaire l'état a répondu par le mépris il a nié le fait démocratique. Affirmant ainsi qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays sous tutelle, comme dit Oscar Temaru, que j'ai rencontré en Kaliaki. Hein, il n'y a pas de démocratie sous les pays qui sont sous la tutelle d'un autre pays, qui dirige pour eux, qui prend les décisions pour eux. Nous voulons être reconnus une fois pour toutes pour un peuple, et nous voulons que nos droits nationaux soient reconnus. Et nous voulons que ce message, et nous en remercions, soit amené au niveau international et aux, à l'ONU pour que le peuple corse soit reconnu dans ses droits fondamentaux. Je vous remercie.